si elle a bien fait son choix, évident, entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo, il n'est pas question de décider qui elle préfère entre Meghan Markle et Kate Middleton. Poisson ascendant Verseau, elle est dotée d'un sixième sens qui l'aide à vous dénicher les informations les plus cachées sur vos stars préférées. Marie Portolano va bientôt être maman pour la deuxième fois. En effet, pour la nouvelle saison du meilleur pâtissier de M6, l'animatrice de 36 ans dévoilera aux téléspectateurs son ventre arrondi, comme l'a annoncé le Parisien, dès hier, lundi 30 mai 2022. D'abord bien connue des aficionados du ballon rond dans le Canal Football Club de Canal+, Marie Portolano a montré qu'elle en connaît tout autant niveau pâtisse. Alors qu'elle tourne la nouvelle édition du meilleur pâtissier de M6, la deuxième pour elle, l'animatrice de 36 ans est beaucoup plus sereine et attend en plus un heureux événement. En effet, nos confrères du journal Le Parisien sont allés à sa rencontre pour la promotion, au sein du château de Neuville, à Gambet, Yvelines, et rapportent que la journaliste est enceinte de son deuxième. Quelques mots simplement pour évoquer cette deuxième grossesse sur laquelle Marie Portolano ne compte visiblement pas ses. Mais les téléspectateurs ne pourront pas ne pas remarquer le ventre arrondi de la présentatrice, fait savoir l'article. Une grossesse visible sur laquelle elle ne souhaite pas s'étendre, préférant se concentrer sur le bilan d'une saison pas comme les autres. Continue nos confrères. C'est donc une heureuse nouvelle que Marie Portolano et son époux, Grégoire Ludic, ont décidé de garder privée. Une maman à cheval sur l'éducation, si en 2017, sa relation avec l'une des moitiés du palmacho et comédien a été officialisée, Marie Portolano et Grégoire Ludic se sont passé la bague au doigt. En juin 2010, le couple reste néanmoins très discret. Et ce nouvel enfant aura déjà un grand frère puisque l'animatrice est déjà maman de un petit garçon né d'une précédente relation. Je suis une maman assez cool mais très à cheval sur son éducation. Je suis fière quand on me dit qu'il est très bien élevé. C'est une clé importante que je lui offre pour son avenir, a-t-elle fait savoir à propos de son rôle de mère à Télé Loisirs. Je suis beaucoup moins stressée, quoi qu'il en soit cette deuxième grossesse semble réjouir Marie Portolano qui assure auprès du journal Le Parisien, être beaucoup plus sereine pour cette nouvelle édition du meilleur. Je suis beaucoup moins stressée. Je n'avais jamais fait d'émission enregistrée. Là, je suis plus sereine. Julia Vignali m'avait prévenu, la première saison, tu découvres, la deuxième, tu confirmes et tu es dans tes choses. C'est exactement cela. Je suis un peu chez moi ici, désormais, avait-elle déclaré. Et cette saison en effet, elle n'est pas près de l'oublier.